Pêche. Alors, là on est sur l'essaim. Il y a une reine dedans, en ponte, pareil. Je vais juste vérifier si tout va bien. Et je suis parti 30 secondes et elle ira pareil au rucher du châtaignier. Avec un autre essaim là-bas. Avec un essaim sur la caisse en hypo là, plastique. Pareil, petit à petit, bah, je vais en monter là-haut. Hein. Attends qu'il se grossisse comme il faut et je l'ai montré au rucher. Alors, on se dépêche un petit peu. Parce que j'ai bientôt plus de place dans mon téléphone. Ça fait petit, c'est pas encore vraiment eu le temps de grossir. Bon, si, c'est quand même pas mal déjà. Donc, c'était une division du 3 mai. Hein. Là, il n'y a rien en ponte et tout. Voilà. Allez. Voilà. Il s'est collé. Juste vérifier s'il est bon pour partir au rucher. Putain, ça coule. Oh, il y a encore du monde. Hein. Il y a du monde. Alors, une partition là. Par contre, les réserves. Ouais, elles m'ont pas bâti ici. On a commencé à bâtir cette amorce. On va regarder. Hein. Bon, ouais, il n'y aura pas d'eau, ça c'est sûr. On va se refaire une petite santé. Là-haut. Il n'y a pas énormément de monde. Alors ça, j'ai un petit peu de bouffe. C'est un cadre à molle. La bouffe là, honte là. C'est limite. Je crois que je vais voir si celui-là, s'il y a de la bouffe un peu plus loin, celui-là je le gicle. Le cadre à molle. Que ce sort hein, dans les siens, dans une colonie comme ça. Alors là, bouquette de pollen, si on voit, c'est que du pollen. Celle-là, elle a eu un peu de sirop, mais bon, il y a de la rentrée aussi, hein, il peut avoir un peu de rentrée. Bouquette de pollen ce côté. Voilà, on va le mettre comme ça. On va le tourner un peu. Donc, je pense que le caramel, si le reste est correct, va gicler. Et je le mettrai dans ma caisse de réserve. Alors, ça serait bien de voir du couvain. La dernière fois, il y avait une reine. Il y a de la ponte, tout ça c'est pondu. Hein. Ça tout pondu de partout, mais bon, il n'y a pas trop d'abeilles, hein, je trouve. Pas trop d'abeilles et pas trop de réserves. C'est bon. Après, plus j'arrive au milieu, et plus il y a du coup du monde. Un peu de réserve. Et c'est tout ça là, hein, tout pondu hein. Jusqu'en haut. Hein. C'est pondu à la mitraillette. Hein. Il y a de la réserve là. Mais je vois, c'est sûr que je vais lui gicler là, le cadre à mal. Hein, il ne sert à rien. Ça lui fait du volume pour rien. Alors, c'est calme, hein, tranquille. Hein. Là, celle-là, j'ai à peine enfumé l'ouverture, c'est tout. Hein. Là maintenant, il y a tranquille. On était où? Je sais même plus. On était là. Discute, mais. Alors cette traîne est marquée en principe. Beaucoup vin.
tout ça. C'est que du couvain. Alors là, par contre, il y a des couvains en train de se faire operculer. Les réserves. Ouais. Ça va, faut suivre un peu les réserves à celle-là. Mais bon. Après. Ouais, toujours lui mettre une petite lichée de sirop. Tout dépend ce qu'il y aurait plus loin. Petite lichée de sirop pour l'aider un peu. Peut-être hein, celle-là. Je vais voir, on va réfléchir un peu là-dessus. Sur ce. Parce que bon, dès que ça va naître, ça va vouloir bouffer. Hein. Donc ces abeilles. Alors, je vais voir plus loin. Hein. Hop là, merde. Je suis allé un peu brusque. Je suis allé un peu brusque. Un petit peu de ménage parce que là, ça commence à piguer, hein. À coller. Alors là, oh, ça fait bien du bruit là. Ça fait bien du bruit. C'est bien lourd. Alors, c'est pondu jusque dans les angles. On voit, hein. Jusque là, tout là, c'est pondu. Ah, il n'y a pas énormément de réserve, celle-là. Hein. Au moment, mais c'est bizarre, elle me met dans le couvain. Hein. Elle met de la réserve dans le couvain. Pareil. Pareil, pareil. Ouais, ça les réserves c'est à suivre à celle-là. Regarde, regardez les conneries. Avec mon crochet, j'ai abîmé. Bon, il n'y avait pas d'œuf dedans, mais j'ai abîmé des cellules. Alors. Voilà. Bon, pour l'instant, on est à 3 cadres de couvain. Hein. Je ne me trompe pas. Pour la reine. Allez. Regardez. Ça sent bon aussi. Ouais, il y a de la réserve là. Il y a de la réserve, il y a de la réserve. Donc, là, hein. Ça c'est de la réserve, ça brille. Et du pollen. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et du pollen. C'est repondu dans les alvéoles vides. C'est bien. J'ai pas encore vu la mimis. Pareil là aussi. Un peu de réserve. Bon, on va peut-être l'aider un petit peu. Je pense. Bizarre, j'ai pas vu la reine là. Ça braille, ça chante. Bizarre, bizarre, bizarre. Voilà, c'est un cadre. Une amorce que j'avais mis. Attends, on va nettoyer un peu là. Parce que bientôt, les têtes de cadre vont tout passer. En force. Là, c'est un cadre, une amorce que j'avais mis. Voilà, bah, tu vois, ça a construit. Hein. Ça bâtit, il y a de la réserve. Ça coûte mieux. Tant mieux, on va le laisser là.
Et toi? Alors là, c'est quoi? Ça, c'est un 4 de rive. Il y a plein de pollen. Bon, c'est café de pollen, ça. Hein. C'est blindé de pollen. Un peu de nectar. Ouais, là, c'est café de pollen. Bon, ben. On va laisser comme ça. On va remettre comme c'était. Il est moche ce cadre, mais bon, c'est pas grave. Le pollen, c'est précieux pour elle. C'est que du pollen jaune quasiment. Hein. Il y a moins de mâles que la dernière visite. On va remettre ça comme c'était. Voilà. Bon, j'ai pas vu la reine. Bon, c'est pas très grave non plus. Bon, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de l'avoir. Qu'est-ce qu'elle cache dans les angles? Bon, c'est pas grave. Je sais même plus, je crois que je l'avais marqué celle-là. Bon, ben, elle est apte pour redéménager. Pour aller sur l'autre rucher. Sera peut-être beaucoup plus riche et diversifié qu'ici. Bon, écoutez. Pas là. Voilà. On va remettre ça sans frotter. Donc là, on est à 2-4 de couvain. Alors, c'est pas elle qui me tourne autour, hein, c'est celle d'à côté. Hein. Naissance, elle est comment celle-là? Et la fille, j'aimerais bien te voir sortir pour voir si tu as des ailes bien formées. Elle est là. Après, je sais pas si on va voir, hein, mais ouais, apparemment, ouais.